Düsseldorf en blanc contre les Tchèques de Banik Ostrava. Surprise à la 11e minute, ce sont les Tchèques qui marquent par Nemec. Les Tchèques qui bien sûr jouent en maillot bleu alors que les Allemands jouent en maillot blanc. Nous voyons donc le but de Nemec. 1-0 pour Ostrava, c'était la marque à la mi-temps. 54e minute. Klaus Allofs, qui a marqué 21 buts en championnat allemand dans la Bundesliga, égalise d'un tir du gauche, un but partout. Klaus Allofs, qui est le nouvel avant-centre de l'équipe d'Allemagne. C'est un buteur efficace, d'ailleurs Düsseldorf a la meilleure attaque de la Bundesliga et aussi une des plus mauvaises défenses. 65e minute, nouveau but de Klaus Allofs. Düsseldorf 2, Ostrava 1. Nous allons voir sur le ralenti ce coup franc indirect. La défense tchèque ne se précipite pas assez sur le porteur du ballon et Klaus Allofs marque un deuxième but. Et à la dernière minute, ça va être son frère cadet de Klaus Allofs qui va marquer le but qui permet à Düsseldorf de se croire pratiquement qualifié. Le voici, un cadeau de la défense tchèque. Düsseldorf à Ostrava par 3-1. Ah, le football allemand a une belle santé, puisque ce football pourrait très bien avoir 4 équipes en finale des Coupes d'Europe. Voici le but après ce cadeau de la défense tchèque du frère de Klaus Allofs.